Oui, on ouais. disait que Cécilia n'était pas contente de t'avoir comme belle-fille. Bon, pas, après, c'est vrai, j'étais des... plus en lien avec Nicolas parce qu'il il habitait <laughs> sur Paris. <laughs> un, mais Nicolas et Carla, euh, je les voyais beaucoup plus souvent. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h, sur VL. J'ai ma dose. <laughs> Mais non, t'inquiète, c'était que l'échauffement, on était sur l'entrée l'entrée froide. Euh, je vais laisser la parole à notre Leslie nationale qui, en bonne journaliste people, qui se respecte, va revenir sur quelques polémiques te concernant, c'est toujours très gentil, t'inquiète oui. pas. Et justement, tu vas avoir un droit de, de parole. Est-ce que tu promets de dire la vérité et rien que la vérité, Capucine Bah évidemment, si j'estime avoir besoin de me justifier de prendre la parole je jure que j'irai toute la vérité rien que la vérité sinon je ne répondrai pas et je dirai pas sans autre chose alors c'est parti c'est parti pour les polémiques de capu T Écoute, Leslie. Alors, tu disais que c'était très gentil, mais alors pas du tout, parce que l'épaule, <laughs> non, mais pas moi. Mais en l'occurrence, ah oui. euh, je vais me faire l'avocate du diable et je vais un peu te, te rappeler ouais. ce que les haters ont dit de toi et c'était pas très très gentil. Eh ben parce euh... parfois, on n'a pas, pas l'occasion de s'exprimer vraiment sans être coupé. Là, t'es sûr que t'es pas coupé. Ou en tout cas, tu t'exprimes, oh, tu non. leur réponds en direct. Oui, je pourrais leur répondre sur via mon snap, mais si tu sais, parfois, vous pas parler au con, c'est ça. <laughs> Alors, bon, on... bah, nous, ça nous intéresse ah... en tout cas. Alors, ouais, que nous, on n'a <laughs> pas tout suivi. Hein. Première polémique euh... Kev Adams, Florent Manodou, Louis Sarkozy, Alain Fabien Delon. Que réponds-tu quand on te dit que tu es une tarfeuse, j'aime pas du tout ce, ce terme. Bah, mais... je, je dis que je comprends ceux qui pensent ça, puisque effectivement tu viens de le citer. Donc euh, par contre euh, on n'a pas cité les autres qui ne sont pas connus et il euh, y en a aussi hein, dans ma carrière de, de petite copine. <laughs> donc voilà. Honnêtement, alors sur ça je ah, n'ai jamais pris la parole et euh, parce que c'est en fait c'est comme euh, un grand nombre de pourcentages en France. Tu rencontres ton, ma... ton mari sur ou ton es... sur travail. ton lieu de travail, bah voilà, je peux pas mieux confirmer euh, la que là là. La Alors Louis Sarkozy, c'était quoi le lieu de travail <rire> <rire> bah, Twitter <laughs> euh, les réseaux sociaux ouais, ouais. bah, c'est mon lieu de travail je suis désolée okay. que... il est dans euh... en tout cas dans le milieu médiatique voilà, euh... oui. Ok. est-ce que ça te est -ce que... alors là aujourd'hui tu es en couple avec Victor que j'ai eu la chance de rencontrer ouais. il, y quelques... il y a quelques jours et qui est vraiment adorable ouais. euh, qui n'est pas quelqu'un de... de connu qui voilà pas... non, on en dira, non, on en dira voir, pas plus voilà, que... euh, non mais justement est-ce que euh, de, de justement euh, d'avoir été en couple avec des gens, euh, des gens euh, qui, ont, euh, qui ont un nom ou qui, qui ont été euh, qui, euh, qui sont médiatiquement euh, connus est-ce que ça te rassurait peut-être toi qui étais dans cette ascension médiatique est-ce que ça a te rassurait d'être avec des gens qui comprenaient, qui comprenaient ce... Ah bah bien sûr, bah déjà évidemment ça rassure de... parce que quand c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu, il... il peut ne pas comprendre, par exemple quand tu rentres et que as dit sur TPMP la tour Eiffel c'est en Espagne, il va te dire mais pourquoi tu as dit ça, alors que quelqu'un qui est du milieu va comprendre que c'est du chaud, que voilà, que... Il prend du recul sur la situation. Voilà, il ouais, prend ouais. du recul sur la situation et que c'est comme ça, donc évidemment que c'est rassurant quelque part de trouver euh, quelqu'un qui, qui comprend ça la jalousie tout ça. aussi peut-être ils sont ah, peut-être ah, moins jaloux ah, quand ils non pas le... non c'est pas le cas justement ils peuvent être plus jaloux parce qu'après il y a aussi une guerre d'ego justement mmh. alors que si la personne n'est pas du milieu bah il y a moins de de jalousie ouais. tu l'as de... vécu ça la guerre d'ego du coup bien sûr Ah oui. Ah, ouais, ouais. Okay. ouais, ouais. Ouf. donc aujourd'hui si enfin je sais pas si es aussi catégorique, mais je te souhaite que ça marche très longtemps ouais. avec euh, ton petit ami actuel. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, on entend beaucoup de stars dire, euh, moi ça y est, c'est terminé, plus jamais un mec du milieu, euh, trop compliqué. Toi, t'es pas spécialement, t'as pas eu de si mauvaises. Non, j'en je, je, je ai eu des mauvaises expériences, bien sûr. Euh, oui, oui, j'en ai, ai, ai eu, mais pff, non, non, je suis pas. Euh... Non, ça ne m'a pas traumatisé. C'est comme pour quoi. la carrière, tu prends ce qui vient quoi. Ouais, parce et puis tu sais, non, ça ne m'a pas traumatisé. Je me dis que ce n'est pas parce qu'il a, il a été connu. Enfin déjà, désolé, c'est un peu moi qui les ai rendus connus, hein. sans en prétention oui, plus. aucune. Hein. Oui, bien sûr, parce En général, ils n'avaient que leur nom de connu. Hein. Pas pas <laughs> pas... Ils ne connaissaient pas, magas pas magas leur tête avant puis... qu'ils soient avec OK Kev okay, Adams quand même. Non, oui, bon ok, mais lui, c'est vrai que je l'avais oublié. Mais je ne parlais pas forcément lui. lui. Kev Adams, effectivement. Oui, et plus de de, Fabien. Euh... Mais non, non, euh, mmh. je sais plus du coup ce que je disais, mais so, je ne garde pas de mauvais souvenirs, quoi, au contraire. Est-ce que tu regardes un bon souvenir Je ne sais pas quels étaient tes rapports, on peut en dire deux, vraiment deux mots, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais euh, voilà, c'était quand même le fils d'Alain Delon, le fils de Nicolas Sarkozy, mmh. deux énormes stars en France, ouais. parce que personne ne les connaît pas, enfin, c'est un peu compliqué. Euh, bah, qu'il faut étaient... faire les pères, j'ai fait les fils, hein, tu vois. Ouais, exactement, <laughs> écoute, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Quels étaient tes rapports Attention, avec parce qu'il y en a qui n'ont pas de second degré. Mais non, évidemment, euh... on, sait, on sait bien que tu, que tu plaisantes, mais quels étaient tes rapports avec, euh, ces, euh, ces deux, avec Nicolas Sarkozy et Alain Delon, et Alain Delon Oh, bah, très bon rapport. Euh, après, je, je pense pas être une fille euh, mal élevée, euh, euh, égocentrique, qui fait tout le temps la gueule, au contraire. Donc, euh, je suis plutôt solaire, euh, toujours partante mm -hmm. pour tout. Ça, ça se passait. Euh, ça, c'est su... bien. Ah oui, ça s'est très, très bien passé. Est-ce que tu appréhendais justement de, de, de rentrer à un moment donné dans, cette, dans ces familles qui sont quand même iconiques et connu, connues mondialement Est-ce qu'à un moment donné, tu t'étais tu stressée Tu t'es dit, mais je vais... comment je vais faire pour gérer ça Ou tu y allais vraiment avec la, ah la gouaille qu'on te connaît Ah non, j'y suis allée. Mais toi, euh... tu n'as peur de rien, toi. Hein J'ai eu des polémiques. C'est disais que ça. cécilia, tu te rappelles, non? Oui, On disait bon. que Cécilia était pas contente de t'avoir comme belle-fille. Bon sais pas, après c'est vrai, j'étais des... plus en lien avec Nicolas parce qu'il il habitait <laughs> sur Paris. <laughs> J'adore Nicolas ça. et Carla, euh, je les voyais beaucoup plus souvent finalement mm -hmm. que Cecilia parce qu'elle parce qu habitait à New York et moi j'étais sur Paris. Donc quand Louis venait à Paris, on allait euh, voilà chez Nicolas et, 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 et Carla. Ouais. Donc j'avais moins de, de forcément de contact avec Cecilia, mais ça se passait très bien. Enfin j'ai jamais eu de problème avec Cecilia quoi. Est-ce que c'est des gens qui t'ont euh, appris quelque chose Est-ce que c'est des... Par exemple, euh, Alain Delon, euh, qui est un énorme comédien. Est-ce qu'à est qu un moment donné, il s'est impliqué dans ton souhait d'être comédien ou il avait vraiment de la distance avec ça D'être comédienne ou il avait de la distance avec ça Non, mais bah, tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, c'était dans une période, le pauvre, pas simple pour lui. Ouais. Donc, euh, tu vois, on, on, on évitait de, de parler de, de choses comme ça. On essayait vraiment de, de prendre de ses nouvelles. Voilà, après, c'est vrai que... Pour moi, euh, croiser et rencontrer Alain Delon, ça a été quand même assez impressionnant. Hein, franchement, j'étais waouh, c'est quand même génial. Tu me rassures, tu avais quand même. Euh... Mais j'étais pas stressée. Par contre, ouais. tu vois, j'étais, euh, on va dire, éblouie comme euh, bah, me trouver comme... en face de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. J'étais euh, éblouie, tu vois. Bien sûr, c'est, mais j'étais pas stressée tu n'étais pas aussi assez proche pour les avoir vus en pyjamas ou des trucs comme ça ah, c'est mais non tu ouais, ouais, t'es ouais, ouais. même parti en vacances je crois pyjamas quoi j'adore les ils sont partis ouais, en pantoufles pyjamas en euh... vacances ensemble pantoufles donc on a un scoop ça tu ça, ça peut, faire, sa ça, sa ça peut faire, faire des embrouilles dans mais les mais familles hein, quand, quand, comprend quand comprend tu sors avec que... le fils d'un président et que imaginons que ton père soit très politisé je ne sais pas et ça ne nous regarde pas s'il est complètement à l'opposé des idées de Nicolas Sarkozy oui ça peut après c'est comme j'ai toujours dit moi à cette époque là je sortais avec euh, un homme et pas avec des idées politiques. Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr. Euh... Ok, très bien. Et ben on embrasse euh, tout le monde. Est-ce que tu gardes des, des bons rapports avec, euh, avec tes ex ou t'es du genre à aller euh, nexté et on n'en parle plus Non, je, je garde des bons rapports. On ne s'est jamais quitté, fâché. Hein. Mais bon maintenant voilà chacun refait sa vie, euh, j'avance et euh, forcément il y en a avec qui euh, bah, ça passe mieux et d'autres euh, voilà avec qui tu coupes les liens quoi. Et ben on te souhaite le meilleur Capucine Merci. dans cette nouvelle relation qui euh, qui euh, démarre qui sur des les, les cha <laughs> chapeaux de roue. Leslie on poursuit. Polémique numéro 2. Ouais, ton poids il y ah a eu oui, énormément. Et il y en a encore aujourd'hui, en mmh. fait. Il y en a ouais. tout le temps. Bon, ça, Des commentaires sur euh, ta, ta maigreur. Ta nourriture. Ta nourriture. Ta nourriture. Tout le monde dit que tu es anorexique. Que réponds-tu Eh bien, pas du tout. Euh, c'est vrai que mon poids, c'est un énorme complexe pour moi. Alors, ah ouais euh, malheureusement, je ne le dis pas souvent parce que si tu dis je me trouve trop maigre, hein, mais estime-toi heureuse parce que moi, je me trouve trop grosse. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai le même complexe qu'une personne qui se trouve. Euh, Bien sûr. surpoids. Ça existe dans les deux sens Ça existe dans les deux sens ça malheureusement c'est plus compliqué à, à faire comprendre et, et à comprendre donc c'est pour ça que je m'exprime pas trop mais pour moi c'est vraiment un, un vrai complexe de me dire que, que j'arrive pas à prendre du poids quoi. et pourtant je... bah, il peut vous confirmer hein, <laughs> je... oh, elle mange euh, elle mange hein, elle ah mange, mais euh... qu'est-ce que je bouffe j'ai <laughs> la phobie en plus du vomi donc je suis loin de régurgiter, régurgiter. ce que je mange euh, ah mais moi mon rêve ouais, c'est de prendre euh, 3-4 kilos ah ouais vraiment je mais voilà ça. je n'arrive pas apparemment ch... mon médecin m'a dit que j'étais tellement stressée qu'à peine je levais le petit doigt ça, je brûlais des calories ah. et... bah, moi c'est l'inverse quand je suis stressée je, je grossis on, ouais. va... on va essayer de trouver un chirurgien c'est vrai pourquoi faire ouais. un switch, justement? Pour faire un switch, ça m'arrangerait on poursuit La dernière attaque, elle concerne pas ton corps, mais du coup ton cerveau. On en a un petit ouais. peu parlé jusqu'à présent. Alors il y avait eu les premières attaques quand tu étais chez Anoula, le rôle de la débile. Ouais. Euh, je reprends des titres. Oui, oui, je me permettrai pas de te <laughs> de, 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 de traiter de débile. Euh, il y a eu ensuite celle euh, bah, au moment de Sarkozy avec Cécilia qui disait qu'elle était pas fière de t'avoir comme belle-fille. Et maintenant, du coup, euh, sur tes talents de comédienne et notamment sur ta dernière phrase, la fameuse. Alors mes talents de comédienne. Je te coupe. Je, je... Je n'ai jamais vu. Enfin, dis-moi si euh, je me trompe, je n'ai jamais vu de critique sur mon, mon... la manière de jouer. Hein. Alors, il me semble. J'en ai jamais que vu. C'était dans mon magazine. Enfin bon. Oui, pas euh, euh, écrit par Nicolas Toudert, si tu veux, avec <laughs> qui. Euh... Évidemment, vous, les était, jeux sont faits d'avance. Hein, te voir T'inquiète pas, il, et il avait eu un, un, un bel appel de mon père papier, derrière. Sympa, et il ouais. est, s'est même excusé derrière parce qu'en en fait, les papiers ouais, sur la première pièce, c'était ouais. une vengeance personnelle. Donc euh, voilà, je... donc ça, t'avait pas touché plus que ça. Ah non, mais pas du tout. Et puis je prenais pas ça comme une critique parce que je savais que les jeux étaient faits d'avance. Qui mmh. viennent mmh. ou qui viennent pas voir la pièce, ils voulaient. Me critiquer. Vous voulez te taper dessus. Voilà, donc, euh, à, mis à part lui, euh, pour te dire à quel point ça me, ça me passait au-dessus de la tête, euh, je n'ai jamais vu. Et ça, pour moi, c'est euh, une, ouais, une victoire et c'est avoir gagné quelque chose. Ok. Quelle était la question Parce que tu parlais du terme de comédienne, il y avait un autre, un autre oui, élément. Bah, ça... Les critiques de manière générale sur le fait que tu es. Ah, mon cerveau Oui, voilà. Ah, bah. <laughs> <Je l 'ai rire> bah t'as un peu répondu tout à l'heure. moi, bah ouais. écoute, moi j'ai laissé, tu sais, j'en parlais. Juste tu t'as fait une déclaration. Oui, bah, euh... Euh... Ça n'a pas l'air du tout de la toucher. Mais, euh... mais c'est bien, tant niveau, mieux, mais, mais tant mieux, mieux mais elle en fait une force. Ça m'a touchée à un moment donné. En fait, ça ne me touche pas quand c'est des personnes sur Twitter. Ça me touche quand c'est des personnes où tu. Que Déjà que j'estime. Et des personnes où tu te dis, c'est des élites intellectuelles et finalement, ça en devient des élites condescendantes. Mmh. Et ça, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Si l'ancien président de la République, justement, euh, ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais critiqué, m'a toujours euh, motivé à faire les choses, toujours à dire qu'il était fier de moi, bravo, c'est incroyable ce que tu fais. mais... En fait, c'est ça. Personne a le droit Bien de. Et justement, en parlant d'élite, tu as, as déclaré dans, dans une émission il n'y a mmh. pas il a pas très longtemps que que, que pour toi voilà Molière c'était de la merde. Enfin voilà. Non, j'ai pas dit. C'était oh, Pardon, 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 chiant. pardon, parce que j'avais pas la phrase en tête. J'ai un peu raccourci le truc. chiant.